excited? Where are we going? To land. It's like a foggy one. Is it cool going in the cloud? Yeah. Hey, Mike! I know! Oh, are they land? No! What are they land? They're all on tides! Salut à tous, bon, je voulais vous remercier déjà pour tous les commentaires et les feedbacks que j'ai pu recevoir pour la vidéo numéro 1. Je suis content que ça vous ait plu, c'était ma première, donc on va essayer de s'améliorer un petit peu. Mais voilà, donc je devais filmer un petit peu tout le voyage. Malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Des moments assez difficiles, bah voilà, de partir de chez nous et de quitter notre maison et tous nos amis. Donc on n'a pas pris forcément le temps de filmer. Mais voilà, donc... Donc on est arrivé, je vais vous montrer un petit peu mon nouveau terrain de jeu. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, mais il fait pas chaud. Donc ouais, on est ici à Bordeaux, au Crêpes de Talence. Donc voilà, ça va être le nouvel endroit où je vais m'entraîner pendant ces 3 années, on va dire, pour la préparation pour les prochains jeux. Donc voilà, on a eu la grosse surprise d'avoir cette nouvelle piste au Crêpes qui a été nommée après moi. Donc voilà, superbe, super piste. On a la grosse butte UCI, on a la butte à 5 mètres avec une piste, voilà, une piste exceptionnelle d'entraînement. Donc ouais, on est au Crêpes à Bordeaux, notre nouveau terrain de jeu, la piste derrière, nouvelle piste du Crêpes. What do you think, babe? It looks so good. You happy to be here? Yeah, I'm happy. Tired but happy. Ouais, si vous avez fini, vous allez récupérer les mecs. Hein. Allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Faut tous les coups. Good job! You're fine. Is that your new coach, Jet? Let's go! Yeah! Is that your new coach? Yeah! One! You stealing him from Dada? Two, three! Camera? C'est une caméra, ouais. C'est une caméra cachée? Alors, t'aimes bien la piste? Pas mal, moi, je trouve. Donc voilà, on est de retour à Bordeaux. On est ici au stade Bordeaux-Les BMX, aux Aubiers. Donc voilà, nous avons décidé de rentrer en France, comme vous avez pu le voir sûrement au début de la vidéo. Pour des raisons personnelles aussi, on voulait vraiment être de se rapprocher de notre famille. Pour Jet, pour
la nouvelle petite fille qui arrive également pour Tigane pour avoir de l'aide et tout ça. Donc voilà, c'était une, ça faisait partie vraiment des objectifs de ce retour en France pour se rapprocher de notre famille et de nos amis aussi ici. Et ensuite, forcément, pour le BMX, donc voilà, pour pouvoir rouler sur des pistes plus techniques, avoir des partenaires d'entraînement. Donc voilà, je vais rouler au Crêpes, je vais rouler au Stade Bordelais ici aussi, aux Aubiers. Et voilà, des pistes super techniques qui vont me permettre vraiment de continuer à progresser forcément et de rouler et de me challenger avec tous les autres partenaires d'entraînement aussi, sur tous les entraînements, et ne plus rouler tout seul. Donc voilà, ça fait super plaisir d'être de retour ici. La première semaine, donc on vient de finir la première semaine, c'était vraiment, vraiment top. On s'est régalé, enfin je me suis régalé surtout à rouler sur la piste et avec tous les autres, donc voilà. Et également l'objectif, c'était forcément aussi d'être avec Thomas, mon entraîneur depuis quelques années maintenant, donc de se rapprocher de lui, de pouvoir travailler ensemble, voilà, travailler à ses côtés tous les jours et de pouvoir vraiment avoir mon entraîneur avec moi. Donc voilà, je m'entraînais depuis des années tout seul dans mon coin, avec les programmes d'entraînement envoyés, mais jamais avec quelqu'un sur les musculations, sur les pistes. Donc voilà, je suis super content d'être ici et de pouvoir continuer le travail et surtout essayer de progresser pour l'objectif principal dans 3 ans, des jeux ici à la maison. Donc voilà, super nouvelle. Moving back to France wasn't an easy thing. We had some amazing year. We created a beautiful life over there. We got married there. We had a first kid. We had a beautiful house. So it for sure wasn't easy, but we realized that we needed the family to be next to us. We needed the people around us to support us and to be really, like I said, training-wise and family-wise. So it was very hard for us, but we decided to make the big move and be closer to the family and be able to train with people over here. So I'm super grateful for all the year I had in America, living in America at least, because I will still be competing in America with my contract with Chase, so I will still be racing the USA BMX round. And yeah, so grateful for all the year I spent, over 10 years over there. So grateful for that, and for all the people I met, and for all the people that really supported us and helped us over the years. But yeah, it was just the time for us to close this chapter and move back home with my little family, and everyone is super excited and so supportive. So grateful. I would never expected to be able to do what I did and win so many championships over there and so many races. So grateful, and yeah, thanks everyone for all the support always, and we're looking forward for our new chapter too. N'hésitez pas à dire ce qui va, mettre vos commentaires, partager, liker, subscribe, voilà, tout ce qui va avec les pages YouTube, et puis voilà, on se voit sur la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire quelques vidéos prochainement aussi, et voilà, avec mes semaines ici d'entraînement en France et notre retour à la maison. Donc voilà, peace.